En fait, je me considère comme un cinéaste engagé, mais pas militant, en fait. Le militantisme en art ou en cinéma m'intéresse pas. Pas beaucoup, m'intéresse politiquement, mais pour moi, l'engagement, c'est... Comment dire, je pense qu'il n'y a pas de film qui ne soit pas politique, en fait, à partir du moment où la politique, c'est comment est-ce qu'une communauté se construit, comment est-ce qu'on vit ensemble. Et je ne crois pas qu'il y ait des films qui échappent vraiment à ça, enfin, disons des films intelligents qui réfléchissent à la manière dont on vit ensemble. Et donc, je pense que ça, c'est dans mon travail aussi, cette interrogation sur la naissance de la communauté et sur les règles qui construisent une communauté. Et ça, c'est politique. Et donc, d'une certaine manière, c'est un engagement, je pense. Non, je construis pas mes projets avec un message en me disant il faut que je raconte ça. Je construis un univers, je construis des règles à l'intérieur de cet univers et je plonge un personnage ou le spectateur ou les deux dans cet univers et à l'intérieur de cette trajectoire-là vont se développer des questions, des échecs, des doutes ou des visions et qui font le sens des œuvres pour moi, quoi. Je pense que un artiste ou un cinéaste, c'est quelqu'un qui a des responsabilités, mais qui, dans un sens, doit être irresponsable. Enfin, comment dire que c'est, on n'est pas des moralistes, on n'est pas des instituteurs, on n'est pas des. Et en même temps, on a une voix qui porte à partir du moment où nos images sont montrées. Et que la représentation du monde qu'on va donner, elle va avoir un impact. Et que ça, c'est une responsabilité.